Merci. À la caisse là-bas, acheter mon CD. Non, merci, je rigole. Découvrez, bien sûr, mesdames, mesdames, messieurs, toute la richesse de la Polynésie qui sont là, dans cette village de l'Outre-mer, et bien sûr, découvrir d'autres produits qui sont venus spécialement pour vous de l'Outre-mer. Bonjour, Théo. Yorana, Karanui, bonjour. Bon, alors, ta compagnie, elle n'est pas d'hier, elle a déjà 27 ans d'existence. Hein. Oui, ça fait 27 ans que cette troupe existe. Avant, ça s'appelait Théo Tate Show, et puis maintenant, c'est Show Tate Inouï depuis 25 ans. Ouais. Depuis 5 ans. Ça fait 27 ans que ça existe, et on fait des tournées partout dans le monde. Et là où il y a des demandes, on fonctionne selon la demande des gens. Donc c'est un spectacle qui plaît de toute façon, on le voit. Ça plaît partout, je veux dire. Ouais. C'est un spectacle qui n'a pas de frontières. C'est universel. Et, voilà, c'est universel parce que c'est un spectacle qui est à la base constitué de la vie du peuple tahitien, peuple marquisien. Nos cousins de la Nouvelle-Zélande. Donc toutes ces danses-là font partie de l'histoire de ces peuples. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça attire la curiosité des gens à venir nous voir. Et aussi, il faut savoir que les percussions, parce que c'est un son unique. C'est pas comme une musique quand on va au concert où on entend, on a l'habitude, mais chacun va faire le meilleur arrangement possible pour sa musique, ou alors celui qui va écrire le mieux les textes pour qu'il touche le plus large de public. Alors que la musique tahitienne n'a pas ça, je dirais même, c'est presque par curiosité que les gens viennent écouter ce son du taureau et des percussions, ils doivent se dire mais c'est quoi cet instrument qui sonne comme ça. Et quand ils arrivent, ils voient en premier le visuel, les danses gestuelles par excellence, et ou alors de l'art oratoire polynésien, ou alors tout simplement la musique tout court polynésienne. Par contre, au niveau des chorégraphies, je crois que tu l'as annoncé, tu colles pas complètement à la tradition, il y a beaucoup d'interprétations aussi. Alors c'est-à-dire qu'il faut savoir que la danse tahitienne, elle,
est basé beaucoup sur la création contemporaine. La danse traditionnelle tahitienne qu'on appelle les Himine Tarawa, les Hivina ou les Paroa, les Polynésiens n'interprètent presque plus lors de leur spectacle de tous les jours, ou alors lors de leur spectacle qu'ils font. Ces danses-là, elles sont interprétées une fois par an lors de, de l'événement populaire de Tahiti qu'on appelle le Heiva, au mois de juillet, et c'est là où on interprète ces danses. Mais par contre, quand ce que vous voyez dans les hôtels ou alors dans certains groupes qui vont à l'extérieur, eux, ils vont faire de la danse contemporaine de création, créée par des Polynésiens, bien sûr. Qu'est-ce que tu as comme projet cette année, maintenant ? Alors là, le 4 juin, nous sommes à Villeparisis, dans le 77. Dans cette petite ville de Villeparisis, nous allons donner un spectacle de 2 heures, comme celle-ci, mais beaucoup plus long, avec d'autres tableaux que nous n'avons pas mis ici au jardin d'acclimatation, mais qu'on va pouvoir le mettre là-bas, parce qu'on a 2 heures de temps, avec 2 heures de temps, ce qui va nous permettre d'exprimer toutes les programmes internationaux du Ballet Chotaiti Nui. Donc c'est important, il faut venir, les réservations se font à Villeparisis, au centre culturel de Jacques Prévert. Il y a l'information sur ton site, de toute façon. Il y a l'information sur mon site internet, www.tot.com. On le mettra en lien, Voilà, et puis je pense que tout ça c'est important. Et puis on part aussi en Belgique. On a aussi des événements qui sont prévus en Belgique. On a à peu près un mois, à peu près, dans la ville de Namur. Oui. Et on a l'Espagne aussi, on doit y aller pour faire un spectacle pour Tahitien Noni. Je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie américaine internationale, et puis on va y aller à Barcelone, et voilà, on revient en France, on fait notre tournée, et au mois de septembre, on a une foire à Chalon, dans le Sable d'Or, et où il y a une foire d'exposition avec une vingtaine d'exposants polynésiens, et nous allons faire des spectacles toute la journée dans ce foire, comme nous venons de le faire à la foire de Angoulême, qui a été un grand succès. La foire d'exposition d'Angoulême aujourd'hui a enregistré 45% d'augmentation de son visiteur par rapport à l'année prochaine. Et bien, je souhaiterais que pour le mois de septembre de cette année 2011, le 9 septembre, à Chalon, dans le Sable d'Or, il y a ce spectacle de Chotaiti Nui qui va se faire. Je souhaite également qu'il y ait autant de visiteurs qui viennent voir, parce que la Polynésie fait encore rêver. La Polynésie, elle donne envie encore aux gens de voir. Et puis tu as oublié de dire que tu refais des spectacles avant la fin de l'année d'Outre-mer au Jardin d'acclimatation. Oui, on est là au Jardin d'acclimatation d'Outre-mer. Le 27, ça va être une animation de confection de fleurs. Le 28, un spectacle comme aujourd'hui. Et le 6 mai 2011, un autre spectacle comme celle-ci, ici au Jardin d'acclimatation. Alors, donc on a 3 dates qu'on a prévues pour prochainement pour ici. Et je suis fier de faire participer de cet événement du Jardin d'acclimatation d'Outre-mer, qui nous permet bien sûr de pouvoir mieux exprimer notre art gestuel par excellence, que les gens ne connaissent pas beaucoup, parce qu'on voit beaucoup de vaïné à la télé, mais les gens ne connaissent pas qu'il y a une signification spécifique de chaque danse. D'ailleurs, tu prends la peine de les commenter, ce spectacle, c'est très bien pour les gens. Je pense que ça permet aux gens de comprendre, justement, tiens, la danse tahitienne, c'est pas seulement les costumes et les vaïnés. Le folklore, quoi. Mais voilà, il y a une signification. Bon, en tout cas, les danses polynésiennes, c'est une affaire qui tourne, apparemment, qui tourne bien. Ça fait 20 ans, fais quand même déplacer des quelques milliers de jeunes polynésiens à travers le monde, à travers la danse. Je pense que c'est au niveau politique de notre pays où ils ne sont pas conscients de cette richesse que nous avons, nous, polynésiens. Nous sommes un tout petit pays qui en plein cœur de l'océan Pacifique, ce petit territoire de la France. Et il y a, bien sûr, cette richesse culturelle que nous avons et que nos politiques
ne prennent pas conscience de cette valeur. Alors, tout en dehors du sujet, Théo, est-ce que tu aurais un avis à donner sur la catastrophe au Japon? Parce que vous n'êtes pas très loin à vol d'oiseau quand même. Moi, je crois qu'avant de parler de catastrophe au Japon, parlons de catastrophe en Polynésie en elle-même, qui risquerait de devenir une catastrophe. Parlons de Mururoa qui, est, ça, c'est vrai. Qui a reçu 136 tirs d'expérimentation nucléaire. Cette île se tient que sur un pied. Il suffit d'un simple tremblement de terre pour que cette île s'effondre et il y aura une catastrophe naturelle qui va se passer aux environs. Oui, enfin, sans compter les populations qui sont déjà contaminées. Hein, qui sont déjà contaminées. Donc, je pense qu'il est, il est temps que la France prenne conscience de cette gravité, de cette situation, si jamais il se passe quelque chose. Bon, notamment au Japon, pour répondre à ta question, Japon, pour moi, c'est une catastrophe, certes, mais cette population a vécu, a bénéficié cette technologie depuis des années. Je veux dire, l'électricité, ça marche avec le nucléaire. On consomme le nucléaire tous les jours. Sans nucléaire, qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je veux bien redevenir écolo, comme les écologies le veulent, mais faisons en sorte à ce que tout le monde y aille et non pas seulement parler à la télé. Et puis après, on ne le fait pas derrière, parce qu'il y a une histoire économique de l'autre côté, où chacun ne veut pas bouger un doigt pour faire disparaître le pétrole et remplacer par des éoliennes ou alors des photovoltaïques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, effectivement. Mais est-ce que tout l'État, les États vont jouer le jeu? Japon, c'est malheureux ce qui se passe chez eux. Et c'est pas la première fois, n'oublions pas qu'il y a eu Hiroshima quand même. Ouais. Complètement. C'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux. Il y a eu Hiroshima pendant la guerre. Et puis là, il y a la catastrophe naturelle qui se fait. Eh bien, ça va se répéter sur d'autres catastrophes qui peuvent y arriver à tout moment, tu vois. Mais moi, ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est surtout la situation de Mururoa. Et ça m'inquiète. J'aimerais bien interpeller l'opinion du pouvoir de l'État, de réfléchir à cette question. Comment peut-on sauver cette population aux alentours au cas où cette île s'effondrait, tu vois? C'est vrai qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, mais il faut en parler. Moi, je suis là, moi, je suis danseur, et je pense qu'autant que danseur, notre sensibilité est touchée. Mais quand notre sensibilité est touchée, il faut faire savoir au plus haut niveau de l'État qu'il y a danger, il y a quelque chose. Et bien, c'est ce que je fais. J'interpelle à travers n'importe quel support média que la Polynésie se trouve devant un risque catastrophe naturelle dans les années à venir. Et c'est une affaire qui concerne la France. Merci Théo. Merci. Merci. Bon. Alors Mawa, c'est quoi ce tatouage sur le pied? C'est pour faire joli, il y a une signification ou pas? En fait, tu vois là, t'as une pirogue. Ouais. Tu vois, et après t'as le soleil. Ouais. La mer. T'en as beaucoup des tatouages comme ça? Ouais, là. Même là, t'as vu, avec ma jolie perle. T'en as sur le ventre aussi alors? Oui, et même sur le dos. Sur le dos? Oui. Tu peux nous montrer sur le dos? Ah ben non, on peut pas parce qu'il faudrait baisser, donc on peut pas. Tu veux pas. Bon, qu'est-ce que tu vois sur ton stand, Mawa? Sur mon stand, je vois des perles de tête d'iris, elles arrivent directement de Papeete. Hein. C'est vrai? Elles sont pas chinoises? Non, elles sont pas chinoises, bon. Ni de Carrefour ou Intermarché. C'est des vrais? C'est des garanties? Oui, des toits. Comme tes tatouages, tu les garanties? Voilà. Bon. Toutes nos perles, elles sont des toits Moutou, tu vois, les belles perles des toits Moutou. Et ça marche? Ça, bien. Comme business? Ça va, faut pas se plaindre, faut fight tout tôt, comme on dit chez nous. Non. Qu'est-ce que tu penses du spectacle qu'on vient de voir là? Ah, magnifique. Tu les connais bien? Oui, bon. C'est ce qui représente bien ma culture polynésienne. T'as jamais dansé avec eux? Avec eux, non. Bon. Avec eux, non, jamais, mais j'aime bien ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu trouves de plus caractéristique en Polynésie? Tout. Mais les femmes? Tout. Non. Mais l'ensemble, la population maori est très agréable, et puis la faune et tout. Ouais, bon. C'est ça qui est bien chez nous. On doit faire un tour. Il fait vraiment bon vivre là-bas. Oui, on parle souvent, chaleureux. On parle souvent quand même des grandes pauvretés maintenant qui règnent. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Mais enfin, nous sommes des bons vivants, donc c'est pas grave. Demain, on va manger de la viande, mais aujourd'hui on va manger poisson et puis demain une bonne viande, hein, pourquoi pas avec des frites. Bon, est-ce que tu crois que la France devrait faire plus pour la Polynésie? Un peu plus, oui, pourquoi pas. Mais ouais. Sinon on est bien, nous sommes un peuple chaleureux et vivant, donc c'est pas grave tout ça. Bon. Fight tuto, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a de plus joli sur ton stand, tu nous montres? Oui. Mais tout est joli dans mon stand, tu sais. Bah attends, on va rappeler que c'est Terre d'Iris. Terre d'Iris. Voilà.
Bon, c'est alors... Vivi et Fabrice Ney. Regarde, j'en ai, regarde toutes les dernières. Moi j'adore celle-là. C'est de la vraie alors? Ah oui, mais je t'assure que c'est de la vraie. Hein. Ça coûte combien ça? Ça va, raisonnable, 90 euros. Elle est belle la perle, regarde. Bon. Magnifique, même celle-là. Tout est raisonnable. Bon. Même la parure, tu vois. Bon. Non, regarde. T'aimes pas? C'est magnifique. J'ai mis un peu ça parce qu'il fait chaud. Mmh. J'ai mis un peu de coquillage pour faire rappeler que voilà. Mmh. Que c'est la mer avec. Que c'est des vrais, comme tu dis, hein, mais c'est vraiment des vrais. Hein. Bon, alors tu veux pas nous montrer un tatouage caché alors? Eh ben non, c'est personnel mon tatouage. Bah non, un tatouage c'est pas tout à fait personnel. Je veux dire, c'est pour faire voir, mais là on peut pas. Hein. Sinon les clients ils vont tous arriver chez moi. Eh ben tant mieux pour toi, ça te prend des clients. Merci Maya, merci. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présent au jardin d'acclimatation sur le marché d'Outre-mer, dans le jardin d'Outre-mer. Vous vendez quoi? Alors, on vend dans ce stand-là, parce que nous en avons deux. Donc, c'est un peu le bar ici, où on vend tous les jus de fruits exotiques. Le café à la vanille, c'est notre spécialité. Et malheureusement, comme l'alcool est interdit sur dans le jardin d'acclimatation, donc on ne peut pas avoir ni la bière Inano, ni le punch. Bon, c'est aussi bien, non? C'est aussi bien. Et bon. Puis, alors on vend bien sûr de la vanille de Tahiti, en poudre et en liquide. Et puis... Montrez-nous alors, là, par exemple. Voilà, d'accord. Liquide. La vanille de Tahiti, d'ailleurs, est très réputée dans le monde, puisque chaque année au salon de l'agriculture, elle obtient le premier prix. Ouais. Et puis nous avons des colliers, bien sûr, des colliers de fleurs, voilà, au moins pour ce stand. Ouais. Et alors vous avez une autre activité, vous faites des spectacles? Alors une autre activité, on a une troupe de danse qui s'appelle aussi Fétia Tahiti, qui se produit donc dans toutes les manifestations et en particulier à la prochaine foire de Paris. Alors quelle différence a-t-elle avec par exemple le spectacle qu'on a vu aujourd'hui? C'est plus traditionnel, c'est... Disons que c'est plus traditionnel et surtout ce sont des danses que nous avons nous-mêmes créées. Les costumes également, et donc on ne copie pas ce qui s'est fait déjà dans d'autres troupes, mais on crée notre propre musique et notre propre chorégraphie. Donc il y aura combien de représentations à la Foire de Paris? Comment? Il y aura combien de représentations à la Foire de Paris alors? Il y en aura deux. Deux, d'accord. Vendredi 29 de 11h30 à 12h30 et le samedi 7 mai de 13h15 à 14h15. Et après, durant cet été, vous avez une actualité Et à la Foire de Paris, bien sûr, nous aurons un stand dans le hall 4. Oui, alors, oui, mais durant l'été, pour les spectacles, vous avez une actualité? Oui, on a des activités. On est souvent contacté par des entreprises qui veulent donc faire une soirée à thème, ouais. Ou alors des mariages traditionnels à la mode donc tahitienne, ou des mairies qui nous demandent pour des soirées pour leur commune. Alors vous-même, vous n'avez pas de tatouage tahitien? Non, on n'a pas de tatoueur ici, mais on aura un tatoueur sur la foire de Paris. Voilà. Alors que veut dire la plupart du temps tous ces tatouages? Et c'est vrai qu'ils sont les Polynésiens couverts de tatouages. Hein. Oui, alors les Polynésiens, en fait, c'est surtout là, au départ l'archipel des îles Marquises qui ont lancé la grande mode des tatouages, puisque c'est un rituel religieux. Et qui ensuite donc a été un peu dispersé dans toutes les îles du Pacifique et en particulier également en Nouvelle-Zélande. Mais l'origine est des îles Marquises. La première activité, c'est l'activité touristique, bien sûr, qui a quelques difficultés depuis deux ans. Et puis ensuite, il y a des activités comme le copra avec le monoï, la vanille, la perle de culture, la perle noire. Voilà les principales ressources de ces îles. Bon, on dit quand même à Tahiti que la pauvreté prend le pas, qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et de trafic d'ailleurs. Disons que le problème de la Polynésie depuis quelques années, c'est que la population est très jeune et malheureusement il y a très peu d'emplois pour ces jeunes. En conséquence, quand ils n'ont pas d'emploi, ça peut entraîner certaines délinquances. Est-ce qu'ils ont raison d'aller en zone urbaine finalement?
de ne pas avoir un mode de vie plus traditionnel. En fait, il y en a beaucoup de jeunes qui étaient dans les îles, dans les archipels, en particulier Tuamotu, qui sont venus attirés par la, par la publicité de Tahiti et de Papeete. Mais ils ont quitté leurs îles pour finalement avoir une occupation qui n'en est pas une, puisqu'ils ne trouvent pas de travail à Papeete. Merci Pierre, merci.